Bonjour, je m'appelle Pierre Bontous, je suis cuisinier au restaurant Le Boulevard à Pertuis. Aujourd'hui, nous allons faire une recette de saison avec les cerises, le clafoutis. Pour cette recette, il vous faut 500 g de cerises, bien mûres, de préférence burla, 1,5 L de lait, 3 œufs, une pincée de sel, 40 g de maïzena, 20 g de poudre d'amande et 150 g de sucre. Alors, le clafoutis. Pour le clafoutis, on va mettre la maïzena. Je mets de la maïzena plutôt que de la farine parce qu'on est plus léger. La poudre d'amande, c'est un peu pour rappeler le noyau des cerises parce que le clafoutis, on laisse le noyau dans les cerises. Une pincée de sel pour ne pas l'oublier. Le sucre. On va casser les œufs. Verse le lait. En procédant de cette façon, il n'y a pas de grumeaux. Alors, des petits moules à tartelette à l'eau de diamètre de 12 cm à peu près. Là, je vais mettre un petit peu de bombe récente. S'il n'y en a pas de type d'appareil, on peut les beurrer avec un pinceau, justement, et du beurre pour qu'on puisse démouler le clafoutis. Donc, on dispose des cerises. Là, ce sont des burlins, des cerises assez grosses et fermes. Bien sûr, tout type de cerises peut faire l'affaire. En fonction de la grosseur des cerises et des tartelettes, là j'en mets à peu près 7 ou 8. Bien sûr, si elles sont plus petites, on en mettra plus. Tout c'est quand même qu'il y a assez de fruits. Donc je remplis les moules avec l'appareil. Ne pas oublier de toujours bien le remuer pour éviter que la maïzena ne reste au fond du plat. Là, ils sont bien remplis, n'importe comment après, ça risque de déborder. Je vais les mettre à cuire dans un four à 180 degrés pendant 20 minutes. Alors pour le dressage du clafoutis, je vais mettre un petit peu de crème anglaise et on va accompagner le clafoutis d'une glace à la pistache pour rappeler le noyau des cerises. Et un petit peu de coulis de fruits rouges. Voilà. Avec le couteau, on fait des traits comme sur les millefeuilles. On va disposer une glace pistache sur une petite cuillère bambou. On dispose le clafoutis. Voilà. Donc à l'origine, le clafoutis, c'est à base de cerises. On n'a pas besoin de préciser, quand on annonce un clafoutis, c'est toujours cerises. Et sinon, après, on peut le faire bien sûr avec d'autres fruits, que ce soit les abricots, les pommes. C'est un dessert de saison, qui est très léger, bien sûr.